Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la rédaction en nouvel ordinateur portable. Un ordinateur portable Un ordinateur portable est un appareil électronique. est un appareil électronique. On l'utilise On l'utilise pour surfer sur l'Internet. pour surfer sur l'Internet. La plupart des gens La plupart des gens utilisent utilisent des ordinateurs portables des ordinateurs portables pour leurs travaux pour le travail à la maison à la maison et au bureau. et au bureau. Un ordinateur portable Un ordinateur portable est également également un ordinateur un ordinateur qu'on peut porter qu'on peut porter avec soi. avec soi. J'ai acheté J'ai acheté l'ordinateur portable l'ordinateur portable pour mes études. pour mes études. J'ai acheté J'ai acheté cet ordinateur portable cet ordinateur portable avec mon argent de poche. avec mon argent de poche. Chaque mois, Chaque mois, je reçois je reçois 1000 roupies 1000 roupies comme argent de poche. comme argent de poche. J'ai économisé J'ai économisé 36 000 roupies 36 000 roupies depuis 3 ans depuis 3 ans pour acheter pour acheter un nouvel ordinateur portable. un nouvel ordinateur portable. Cette somme 700 de 36 000 roupies 700 de était 36 000 roupies 36 000 rupees était était dans mon compte d'épargne. dans mon compte d'épargne. Avec mon ordinateur portable, Avec mon ordinateur portable, je peux faire mes projets, je peux faire mes projets, mes études mes études et mes tâches scolaires. et mes tâches scolaires. Avec mon ordinateur portable, Avec mon ordinateur portable, je peux assister je peux assister aux cours au cours en ligne, en ligne aux réunions Zoom au réunion Zoom et et je peux jouer je peux jouer aux jeux vidéo. aux jeux vidéo. L'avantage de l'Internet est L'avantage de l'Internet est qu'il est facile de tout trouver qu'il est facile de tout trouver lié aux études. lié aux études. Un autre avantage de l'Internet Un autre avantage de l'Internet est est qu'il aide qu'il aide à communiquer à communiquer avec les gens avec les gens partout dans le monde. partout dans le monde. Un autre avantage de l'Internet est qu'il aide Un autre avantage de l'Internet est qu'il aide à communiquer à communiquer avec les gens avec les gens partout dans le monde. partout dans le monde. L'inconvénient principal de l'Internet L'inconvénient principal de l'Internet est que est que quelques personnes dépendent quelques personnes dépendent complètement complètement de celui-ci. de celui-ci. Finalement, Finalement, un autre inconvénient de l'Internet un autre inconvénient de l'Internet est que est que les identités personnelles les identités personnelles de quelques utilisateurs de quelques utilisateurs peuvent être volées. peuvent être volés.
C'était la rédaction sur un nouvel ordinateur portable. Merci.